Amis fidèles de Viana TV, merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Dans le cadre de notre émission Parade, aujourd'hui, nous vous amenons à Paris. Paris, la capitale de la France, a été le centre de la vie économique congolaise le 12 avril dernier. L'organisation non gouvernementale SDA, Synergie des Peuples de l'Afrique, y a organisé une manifestation économique qui a regroupé les Congolais de la diaspora et des investisseurs français, belges, guinéens et surtout des hommes et des femmes qui ont envie de vouloir faire des affaires au Congo-Brazzaville. Cette manifestation a été l'occasion pour nous de rencontrer des personnalités. Nous avons rencontré Alain Akwala. Alain Akwala est le ministre des zones économiques spéciales. Il a accepté de répondre à nos questions et surtout d'élever l'équivoque sur les doutes qui persistaient encore jusqu'à maintenant sur la réalité des CESES. La diaspora aujourd'hui touche du doigt la réalité des CESES. Est-ce que c'est quelque chose que vous conforte ou bien vous vous dites que s'ils n'ont pas vu venir la chose? Mais écoutez, le président n'a jamais douté. Lorsqu'il décide de créer ce ministère, cela s'appuie sur un programme, sur un projet de société, le chemin d'avenir, qu'il a proposé aux Congolais en 2009 et que les Congolais ont validé. Et les Congolais ont validé, il y a un contrat social qui lie les Congolais au président. Et nous, modestement, en tant que membres du gouvernement, c'est notre feuille de route de travail, donc il n'y a pas d'état d'âme. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, la conviction du président était certaine, et c'est une conviction qui est, comment dire, contagieuse. Donc nous ne doutions pas que, au moment opportun, nos compatriotes de l'étranger, et ceux qui sont au Congo et de l'étranger, et le monde entier, se rendra compte que ce que le président a annoncé dans son ambition pour notre pays, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas une chimère. Maintenant, ce qui est important, c'est de concrétiser cela. Et cette rencontre organisée par William Bongo est une bonne fenêtre d'opportunité, est une bonne plateforme qui nous a permis de rencontrer ici non seulement des investisseurs français qui s'intéressent au Congo et des compatriotes également qui sont ici et qui ont effectivement des ambitions à la fois par rapport à leur formation personnelle et par rapport aux projets qu'ils ont en fonction, comment dirais-je, du devenir économique du pays et de la trame qu'a dessiné le président. Alors, juste pour rester sur cette question liée à la diaspora et au pays, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a des appels du pied du pays par rapport à sa diaspora, mais en même temps, il y a une certaine réticence. Est-ce que vous comprenez les gens qui se retiennent ou bien il faut dire à tous, il faut rentrer, aujourd'hui il est temps? Parce que ces zones économiques spéciales, on a besoin des gens pour les accompagner. Écoutez, vous savez, lorsqu'on est, qu'on vit et qu'on a la chance de faire des études, surtout à l'étranger, c'est parce que soi-même, on a un rêve personnel. On a une ambition personnelle qu'on doit accomplir. Et après, par rapport à son pays, il y a également ce qu'on peut considérer une sorte de feu sacré qui vous brûle à l'intérieur. Les réticences, on peut les comprendre, surtout que la décennie passée, notre histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc on peut comprendre que ceux qui sont à l'étranger, les Congolais qui sont à l'étranger, les compatriotes qui sont à l'étranger, se disent « mais nous sommes dans un pays insécure, comment peut-on envisager un retour ?» avant d'envisager même de démarrer un projet professionnel quelconque. Donc, conscient de cette réalité, nous savons qu'il y a des destins qui ont été plus ou moins chamboulés. Mais au jour d'aujourd'hui, nous vivons quand même dans un pays qui est stable politiquement et institutionnellement, et bien entendu sur le plan sécuritaire. Et face à cette réalité, notre pays a quand même fait des efforts, notamment en ce qui concerne les réformes au niveau de son économie, l'assainissement des finances publiques, le désendettement du pays à travers les accords avec le club de Paris et le club de Londres. Nous avons donc aujourd'hui un pays que le monde des investisseurs considère comme une destination intéressante. Donc le fait de venir ici et de parler avec ses compatriotes, eh bien, c'est une manière de leur dire « Vous avez double avantage, même triple avantage. Vous êtes des Congolais, vous vivez en France, à l'étranger, et vous avez acquis une formation, une culture du travail, une culture du travail industriel, une culture de la performance, une culture du résultat. Donc,
ceux qui demain vont investir au niveau des zones économiques spéciales, même si au niveau interne on fait des efforts pour pouvoir adapter la formation de nos jeunes par rapport à ces attentes, mais vous avez déjà cet avantage par rapport à cela. Donc vous serez en première ligne, soit en tant que ressources humaines de qualité, ou alors initiateur de projet. Donc je considère que c'est tout bénef pour ceux qui sont ici, ceux de nos compatriotes qui sont ici. Alors, voilà, vous avez annoncé des chiffres concernant l'emploi. Or, l'emploi, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, notamment au niveau de la jeunesse congolaise. Est-ce que vous pensez que ces chiffres peuvent être améliorés dans les mêmes délais que vous avez annoncés? D'abord, restons scientifiques, modestes et concrets. Ces études qui sont réalisées par une expertise mondialement reconnue, celle de Singapour, d'un côté, un consortium dans lequel on retrouve Bain & Co, qui est l'équivalent de McKinsey, Aegis et Gide, nous donnent des chiffres qui déjà sont très optimistes. Donc c'est un objectif sur lequel nous devons travailler. Mais c'est vrai qu'il y a moyen d'aller au-delà. Mais si on arrive déjà à faire cela, ce sera déjà une très très bonne chose pour la jeunesse congolaise, pour les générations actuelles et à venir. Merci.